4 jours de tournée dans votre région. Qu'est-ce que vous retenez cette visite à chef d'État? Non, c'est... Ce qu'on peut retenir, c'est la symbolique. Depuis près de 40 ans, qu'un chef d'État n'avait pas mis les pieds dans cette zone du Hamon. Et aujourd'hui, ce soir avec le président, il vient avec le projet de développement. Vous avez visité un peu la ville, vous avez vu la route de Boaké jusqu'à ici à Fernier, jusqu'à la frontière qui aujourd'hui est en train d'être faite. Vous avez vu jusqu'à Tabakala, vous avez vu l'électricité qui aujourd'hui est vraiment en abondance ici. Parce que la société qui transporte l'électricité a été dévidée à Tabakala, avec qu'on a plus de problème d'électricité dans cette zone. Et aujourd'hui, ils apposent la première pierre du CHR de Kachula. Et puis bon, avec tout ce qu'on a vu, les 500 jeunes qui ont bénéficié du projet avant-hier avec le ministre de la Jeunesse. Et la première dame hier a vraiment gâté les femmes ici avec près de demi-milliard. Et aujourd'hui, vous voyez que la population est à l'aise. Le stade que vous voyez aujourd'hui était en déliquescence totale. Aujourd'hui, les choses sont praticables pour les jeunes. Plusieurs infrastructures ont été réhabilitées. Et chapeau au président et merci pour tout ce qu'il fait. Et la population ne peut qu'être heureuse. Et Kakula est heureux, le Hambol est heureux, la vallée du Bandema est heureuse.